Hey, je t'avais pas dit, j'ai rêvé un matin, j'ai rêvé à sous-écoute. J'ai rêvé à ça la nuit passée. Ah ouais? Puis astique, c'était drôle. Là, je me suis réveillé en riant. On arrivait ici. On était là, OK? Puis là, il y a le public qui est là. Puis là, Michel, ton gérant, Michel Grenier, il était pas content parce qu'il disait « Chris, le monde n'a pas d'énergie. » Puis là, il disait « le monde n'a pas d'énergie, faut que j'y réveille. » Puis il sortait un arc à flèches. Il se mettait à tirer des flèches dans le monde. Puis là, t'entendais le monde crier puis souffrir avec une flèche dans le mollet, là. Puis là, il était là « Bon, là, c'est correct. » Puis il s'en allait. Tu voyais des flèches passer. J'étais « C'est bien drôle, ça, parce que j'ai fait un rêve show business, Moutou. Ah ouais? Mais puis, je vous jure, c'est pas des jokes, là. J'étais dans une cage au sport avec une fille qui me disait que ça marcherait pas. Je sors. Arrêtez de rire! Un rêve show business sur une cage au sport avec une fille qui me dit que ça marchera pas. C'est le rêve, là. J'avais plus de souliers, mais... Non, le... Oh, va chier, toi. Mais j'arrive, je sors, puis là, il y a une longue, longue file d'attente pour un show de Steve Chuck. Puis c'est pas des jokes. La portion rêve en bas. C'est juste des singes. C'est des singes, hein, et, et des clochards avec des perruques de clown. Je l'aime, c'est Fichoc, je l'écoute souvent. Je sais pas ce que ça veut dire, là, mais... Chris, m'excuse, Stéphie, là, c'est pas... T'étais-tu allé à son show? Non, il y avait trop de monde. Puis, tu sais, c'était vraiment genre... Puis là, c'était pas loin de la rue Saint-Denis. Hein. Puis là, je marchais. Puis là, ils installaient des cages, des affaires de construction pour empêcher les singes de nous toucher. Puis, ou les clochards, je le sais pas. C'est bien drôle. Des affaires de construction. C'est drôle comment tu l'as dit en plus. Tu sais, les affaires là, de construction pour empêcher les singes de nous toucher. Vous le savez, là? Ouais. Hey, on devrait en mettre autour du Parlement, hein, Mike? Le podcast est cancellé. Ouais.